Cette vidéo contient du spoil des événements du manga, donc si tu ne veux pas être spoilé, quitte là maintenant. Sinon, c'est parti pour découvrir l'histoire du plus fort. Sur terre comme au ciel, seul moi mérite d'être honoré. Cette référence bouddhiste n'aura été écrite que 2 fois par l'auteur Gege Akutami, une fois pour qualifier le roi des malédictions, Sukuna, et une autre fois pour qualifier Gojo Satoru. Mesdames et messieurs, ici SerialShaj et aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Gojo Satoru. Au passage, n'hésite pas à t'abonner, il y a 2 autres vidéos sur Gojo sur la chaîne, et t'inquiète pas, il va y avoir d'autres vidéos Jujutsu Kaisen. La naissance de Gojo Satoru est un événement sans précédent dans le monde de Jujutsu Kaisen. Issu de l'un des 3 grands clans d'exorcistes avec le clan Kamo et Zenin, il est le premier depuis 6 générations dans son clan à obtenir les attributs du sorcier ultime, avec le Rokugan et le sort de l'infini. Sa naissance relève tellement de l'exceptionnel que le monde fut bouleversé, que ce soit les chamans noirs ou les fléaux. Tous se sont mis en retrait car sa puissance est synonyme d'extinction pour les forces du mal. Et même avec une prime sur sa tête depuis son enfance, un simple regard croisé avec lui a suffi à mettre fin à la carrière des plus grands tueurs du monde. Cependant, sa puissance n'était pas à son paroxysme et son histoire commence véritablement durant son année en tant que 2e année à l'école de Jujutsu de Tokyo. À cette époque, il n'était pas connu comme le plus fort, mais avec son camarade Geto qui a comme pouvoir de manipuler les malédictions, ils étaient connus comme les plus forts. Il devra à cette époque remplir une mission qui le changera à jamais, de la plus grande importance, protéger le prochain réceptacle de Tengen, qui dresse les barrières de protection du monde entier, mais doit changer de corps régulièrement. Cependant, 2 groupes seront à la poursuite du réceptacle. Dès la prise de contact avec le réceptacle Rico, ils devront affronter 2 ennemis assez facilement car ils sont les plus forts. Mais en parlant avec elle, ils apprendront qu'elle accepte de se sacrifier pour le bien du monde, mais veut vivre quelques derniers jours en liberté et ils devront donc la protéger. Non sans tumulte, avec une prime sur sa tête, ils réussirent à la protéger de toutes les personnes voulant la tuer. Mais à ce moment-là, Gojo maîtrise le sort de sens horaire bleu qui permet en gros un vide aspirant. Allez checker la vidéo sur les pouvoirs de Gojo pour plus de détails, mais ne sait pas encore utiliser le rouge lié à l'inversion qu'il tente de maîtriser. Et bien qu'il maîtrise son sort de l'infini pour se protéger de manière efficace, cela lui demande une grande concentration. Au bout de plusieurs jours de protection avec un Gojo qui a dû se battre et se fatiguer à activer un sort de protection non-stop, ils se retrouvent donc à l'endroit où leur mission doit prendre fin. Mais un mystérieux ennemi attaqua. Leur principale difficulté étant qu'il possède une force physique hors norme, et Gojo surtout ne peut pas lire ses mouvements, puisqu'il n'a aucune énergie maudite détectable. Mais dans ce combat haletant, Gojo se laissera avoir et quasiment tuer, la gorge ouverte, le corps ouvert, la tête percée, grâce à la puissance phénoménale de son ennemi et d'un objet maudit ne subissant pas les effets des sorts et donc de l'infini, Amano Saka, la créatrice. Bien qu'il réussisse à s'en remettre après un long moment grâce à un sort d'inversion qu'il arrivera à maîtriser in extremis, il est trop tard. Sa mission de la plus grande importance est échouée et le réceptacle est tué. Il reviendra alors complètement illuminé. Il se sent alors invincible puisque maintenant il maîtrise le sort d'inversion qui lui a permis de se soigner, mais surtout le sort de sens anti-horaire rouge qui permet la répulsion. Ce nouveau sort rouge est alors 2 fois plus puissant que le rouge et en plus, bien que les sorts des plus grands clans d'exorcistes soient connus comme le bleu ou le rouge, Gojo arrivera alors à créer ce sort secret, même au sein de son propre clan, la propulsion d'une masse imaginaire, née de la collision de 2 sorts d'infini, le sort d'équation imaginaire violet, et rien n'arrêtera ce sort. Ils récupéreront alors le corps sans vie volé du réceptacle à la secte qui avait engagé le tueur, des simples humains illuminés qui ont pris une vie. Cet événement, en plus de l'avoir rendu plus fort, le forcera à aller encore plus loin. Un an après, et grâce à ses compétences développées lors de son combat, Gojo a son sort de l'infini de protection qui ne protégeait que de l'énergie maudite, mais va alors protéger même de la forme, de la masse ou de la vitesse d'un objet. Et grâce à la maîtrise de son sort d'inversion, il peut même s'auto-restaurer le cerveau continuellement pour ne pas griller, et ainsi maintenir ses sorts de l'infini à l'infini. Bien qu'il n'ait pas finalisé son territoire, Gojo n'est alors plus un des deux plus forts, mais bien le plus fort. Et alors que son ami Geto sombrera dans une haine envers les humains qu'ils se sont jurés de protéger, le plus fort, Gojo, se rendit compte d'une chose, que malgré sa force, il ne peut pas sauver tout le monde. Il ne peut pas sauver son ami, car il peut seulement sauver ceux qui désirent être sauvés. Son histoire est juste incroyable et permet de comprendre plus que l'évolution de ses pouvoirs, sa volonté d'être le garant d'une nouvelle génération. Celui qui les guiderait, car bien qu'il soit le plus fort, il ne peut pas sauver tout le monde. Et donc mettre la nouvelle génération dans le droit chemin est le mieux qu'ils puissent espérer. Bon, pour tous ceux qui ont lu le manga, vous verrez que j'ai éludé beaucoup de moments, déjà parce qu'ils ne sont pas directement essentiels à la compréhension de l'histoire de Gojo, et pour laisser beaucoup de surprises aux personnes qui penseront tout savoir. Parce que ce manga mérite d'être découvert par vous-même, et même cet animé. Au passage, n'hésitez pas à aller checker mes autres vidéos sur Gojo, et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous la faire. N'hésitez pas à vous abonner, oui, donc comme je vous l'ai dit, de liker, de commenter, oui, pourquoi pas commenter cette vidéo sur le plus fort, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, pas sur Gojo, parce que là, je viens d'enchaîner 3 vidéos sur Gojo, et croyez-moi, je commence à en avoir un petit peu marre, même si je kiffe ce personnage. Mais on parlera de Jujutsu Kaisen, parce que Jujutsu Kaisen, c'est puissant. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde, et paix sur vous.